Nous allons utiliser Scala sur Snowpark afin d'analyser des tweets et de déterminer quel est le sentiment des tweets de 1 à 5. Vous voyez ici le résultat de l'analyse, où on a le texte des tweets et le sentiment sur la droite. Vous pouvez suivre tout ce scénario dans le guide Getting Started with Snowpark Scala dans les Quick Starts Snowflake. Nous allons d'abord accéder au repository sur GitHub. Vous pouvez aller sur github.com à récupérer le code et ensuite faire tourner d'abord une user defined function de Hello World pour tester Scala, faire tourner la démo, définir une EDF, l'exécuter et finalement créer une store procédure en Scala pour faire tourner du Scala dans l'interface de Snowflake. Vous pouvez donc retrouver le code sur Snowflake Labs SF Guide Getting Started Snowpark Scala sur GitHub et vous pouvez télécharger ce dossier. Vous obtiendrez localement un dossier qui contient votre projet Scala, source main Scala avec trois fichiers Scala qui contiennent le code qu'on va utiliser et votre secret de connexion, Snowflake Connection Properties. Vous allez commencer par insérer les informations nécessaires dans la connexion afin de pouvoir créer une session. Ensuite, ce que vous voyez affiché à l'écran en ce moment, c'est le dataset que nous allons utiliser pour tester. Il s'agit de tweets sur Twitter, téléchargés en masse et sur lesquels nous allons faire tourner du Natural Language Processing afin de déterminer le sentiment de chaque tweet. Vous pouvez récupérer le dataset sur Kaggle, sentiment 140 dataset with 1.6 million tweets. La première partie de la démo est un Hello World. Nous allons simplement créer une session auprès de Snowflake qui va contenir nos credentials, ensuite effectuer un show tables afin de montrer les différentes tables qui sont dans notre base de données et renvoyer le résultat. Pour cela, dans le directory où vous avez installé le code Scala, utilisez SBT run main hello world. Après quelques secondes, votre session est créée. Vous lancez la requête, donc creating a data frame to execute the SQL statement, execute the SQL statement and print the first 10 rows. Et vous récupérez ici les différentes tables qui sont dans le schéma où vous êtes actuellement situé. Une fois que vous avez vérifié que la session est bien effectuée, que vous avez pu récupérer la requête, on peut lancer le setup de la démo. SBT run main UDF demo setup. Et ceci va exécuter notre deuxième fichier, UDF demo setup, qui contient un objet, UDF demo setup. Il va créer une session et contient une fonction qui va uploader les différents fichiers nécessaires. Donc avec upload demo files, nous allons uploader les données elles-mêmes et puis les jar files qui sont nécessaires à l'analyse. Donc dans main, on appelle deux fois upload demo files. Première fois avec UDF data stage name et puis UDF jar stage name. Et dans les deux, on va donc uploader d'abord les données, c'est-à-dire les différents tweets, et puis les différentes librairies que nous allons utiliser pour les analyser. Tout cela est dans un dossier qui s'appelle Files to Upload, où on a nos quatre librairies, les jar files, et notamment le Core NLP développé par Stanford, qu'on va utiliser afin d'analyser les tweets. Et puis on a notre fichier qui contient les tweets. Tout cela va donc être uploadé sur Snowflake dans le stage qui est précisé ici. Une fois que l'upload est fini, vous pouvez retourner sur Snowflake. On va dans Data. Vous allez dans la base de données que vous allez préciser. Dans mon cas, c'est la Sandbox. Et vous allez voir vos stages. Vous aurez maintenant Snowpark Demo Data qui va contenir les différents tweets, 81 MB de tweets. Et vous aurez Snowpark Demo UDF Dependency qui va contenir les quelques jars qui sont nécessaires à l'analyse de NLP. La prochaine étape est de faire tourner udfdemo.scala. Dans ce fichier, on a un objet udfdemo et il comprend plusieurs fonctions. On voit qu'on définit d'abord la fonction collectTweetData afin de récupérer les données du fichier CSV depuis le stage sur Snowflake. Ensuite, on a la fonction analyze qui utilise notre librairie NLP afin de reconnaître le sentiment de chacun de ces tweets. Puis on a une fonction createUDF qui va enregistrer la fonction analyze sur Snowflake afin de pouvoir l'exécuter nativement dans Snowflake. Et finalement, processRapidTweets qui va récupérer les différents tweets dans un dataframe et les analyser. Ensuite, on écrit le résultat avec happyTweets.write.modeOverwrite dans la table démo happyTweets VSC. Et enfin, dans la fonction main, on va
créer une session d'abord et puis exécuter nos trois fonctions collectTweetData, createUDF et processRapidTweets afin de récupérer toutes les données et ensuite de faire le processing de ces données. Si on ouvre le terminal, on peut voir qu'on a d'abord récupéré les données des fichiers CSV, on a créé l'UDF et on l'a enregistré dans Snowflake, et ensuite on a récupéré un data frame, on a exécuté l'UDF sur chacun des tweets afin d'analyser la valeur du sentiment. Ici on a récupéré des tweets avec le sentiment 3, c'est le maximum qu'on avait dans les tweets qui étaient présentés ici, et on les enregistre dans une table sur Snowflake. On peut aller voir le résultat directement sur Snowflake. Maintenant, une nouvelle table a été créée. Si on rafraîchit ceci, nous avons maintenant Demo Happy Tweets VSC qui vient d'être créé et qui contient donc mes tweets avec les sentiments qui ont été détectés. La dernière étape de l'atelier Getting Started with Snowpark Scala propose de définir la fonction Scala directement dans Snowflake. Au lieu de l'écrire dans VS Code, on peut utiliser la syntaxe en SQL CreateOrReplaceProcedure, DiscoverRapidTweets, donner la version de Scala, donner les différents packages et les différents imports nécessaires pour effectuer nos analyses. Ici, on importe les mêmes packages qu'on a été récupérés depuis le stage. Ensuite, on définit le handler de notre fonction, qui est dans l'objet UDFDemo. Situé ici, on va effectuer la fonction DiscoverRapidTweets et on va stocker cette fonction dans un jar files, ici, sur un stage. DiscoverRapidTweets est à la ligne 94 avec les trois fonctions. Avec Enter, on peut enregistrer cette procédure. Une fois que la procédure est enregistrée dans Snowflake, n'importe quel utilisateur peut l'appeler. Avec call discoverRapidTweets, tant qu'un utilisateur a les droits d'appel, il peut appeler la procédure. On peut lancer avec un call et la procédure va tourner, elle va analyser tous nos tweets et leur assigner un sentiment. Quand la procédure est finie, vous pouvez sélectionner les résultats et les mettre en ordre de sentiment. Dans ce cas-ci, on a les tweets qui ont le meilleur sentiment qui arrivent en premier. Et dans ce cas-ci, je gardais tous les tweets avec un sentiment supérieur à 1. Finalement, vous pouvez très facilement créer une task qui va avoir un schedule et qui va exécuter votre procédure quand vous l'avez décidé. Et de cette façon, opérationnaliser votre code et le faire tourner de façon fréquente sur les nouvelles données qui arrivent.